cinéma avec une très bonne nouvelle puisque A Star Is Born. A Star Is Born, ça sort aujourd'hui, Laurent. Premier film de l'acteur Bradley Cooper. Bradley Cooper ici, qui est à peu près à tous les postes, voire plus. C'est-à-dire qu'il réalise le film, il a écrit le scénario, il coproduit, il joue le rôle principal et il chante. Mesdames, j'ai un scoop, ce n'est pas du playback et Bradley Cooper chante très très bien. Donc il a décidément beaucoup d'atouts, ce garçon. Bien accompagné en plus. Mais oui, il y a beaucoup d'excitation autour de ce film-là puisque c'est le premier grand rôle de Lady Gaga, superstar aux 180 millions d'albums. Ça fait quand même un petit peu, là, ça commence à compter. Alors je dis Lady Gaga, mais on devrait dire plutôt de son vrai nom, Stéphanie Germanotta, puisque l'actrice, la chanteuse est tout à fait méconnaissable. Vous savez qu'on la voit toujours très fardée avec des costumes extravagants. Là, sur les photos... Elle est au naturel. On découvre, voilà, une actrice aînée. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs et d'excitation autour de ce film, tout d'abord parce que, encore, oui, je vous dis, j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà. Lady Gaga reprend le rôle que tenait Barbara Streisand en 1976. Et puis, il y a 2 ans, les studios Warner avaient dit « Ah, A Star Is Born, on va faire un remake, ça sera Clint Eastwood aux manettes avec Léo DiCaprio et Beyoncé ». Eh ben non, finalement, c'est Bradley Cooper qui réalise, qui joue, et on a Lady Gaga, et c'est une très bonne nouvelle. Brièvement, de quoi ça parle? Alors, c'est un mélo, on est dans un film américain, mais ils savent très bien faire ça, les Américains. Bradley Cooper campe une star de country addict, accro aux drogues et à l'alcool. Il est un peu sur le déclin. Country, exactement. Avec la chemise à carreaux, mais très beau gosse. Hein. Et puis un soir, après un show, après un concert, il va dans un bar, il y voit une serveuse qui pousse la chansonnette. C'est Lady Gaga. Et là, il découvre une voix magnifique. Il va décider de prendre la jeune femme sous son aile et de la propulser sur scène. Évidemment, comme on est dans un film américain, il va avoir une histoire d'amour passionnelle et géniale. Mais aussi, il y en a un qui monte et l'autre qui descend. Une petite jalousie. Exactement. Voilà. Alors, tout de suite, pour vous mettre dans cette ambiance, regardez, c'est vraiment Bradley Cooper qui chante. Regardez la bande-annonce et puis on en reparle un peu après. Maybe it's time to let the old ways down. Takes a lot to change, man. Hell, it takes a lot to try. Can I ask you a personal question? Okay. Tell me something, girl. Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Why? Almost every single person has told me they liked the way I sounded, but that they didn't like the way I look. I think you're beautiful. Hey. What? I just want to take another look at you. In all the good times, I find myself longing for change. Here's what we're gonna do. You come sing that song that I love. No, I can't do that. No. Look at me. All you gotta do is trust me. All you gotta do. Je crois que la musique pourra vivre indépendamment sa carrière aussi. La musique tube, là. Ah, ouais, ah ouais, oui, ça sent le tube. Oui, vous êtes comme ça. Je suis encore sous le choc. Donc ça, rigolo, ça sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui. Ouais. Bah oui, nous sommes mercredi, c'est vrai. Sur les images, on a remarqué, on a reconnu Los Angeles. Mais bien. C'est le monde du showbiz. Ça pourrait être une histoire vraie. Mais complètement. Et c'est en cela que c'est intéressant. C'est pas juste une histoire d'amour. Le film radiographie quelque part le milieu de la célébrité, de l'industrie, du disque et du show business. Donc je vous dis, c'est vraiment, c'est bien fait. Bradley Cooper, franchement, première réalisation. Ça claque. Oui, bah, Lady Gaga, super. La voix. Mais connaissable, la petite. Et le film a été ovationné au Festival de Venise où il était présenté. Écoutez, moi, j'ai eu un coup de cœur, évidemment, pour Bradley, mais étonnamment pour Lady Gaga, parce que là, elle est dans un autre registre et une voix. Ouais. Et là, il y en a un qui me dit en régie dans l'oreillette, non, pour une fois, reconnaissable, parce que c'est vraiment elle. Mais c'est ça, exactement. Elle n'est pas déguisée. Ouais. Bien vu, l'artiste, pas refrain. Comme quoi, les femmes sont plus jolies au naturel. Voilà, parole de Charlotte, parole d'Isabelle qui vote pour Charlotte. Ouais. Merci les filles, ne changez rien, surtout ramenez toujours des sourires, des infos et des belles images comme ce matin.